Monsieur Ali Benassri, bonjour. Bonjour. Alors, à nouveau, monde est en mutation, il ne sera plus le même après le Covid-19. Tout le monde est unanime sur cette question. Cette crise est avant tout sanitaire et non économique, mais qui a contraint les États à prendre des mesures sans précédent. Confinement total et fermeture de toutes les frontières. Beaucoup d'incertitudes sur l'impact économique. Les pays dont l'Algérie se prépare à un choc. Tous les scénarios sont étudiés. Toutes les régions et tous les pays subiront des baisses à deux chiffres, des exportations et des importations. C'est le constat fait par l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Alors, bien sûr, on a dit baisse à deux chiffres pour le commerce extérieur, au niveau, par exemple, des importations et de l'exportation. Cette baisse ou chute du commerce extérieur se situerait entre, selon toujours l'OMC, entre 15 à 40%. Tout va changer après, rien ne sera pareil. Absolument. Après le Covid. Absolument, c'est les jours d'avant et les jours d'après. C'est-à-dire que c'est une situation qui est inédite dans l'histoire contemporaine. On n'a jamais constaté une situation que je peux qualifier d'aussi dramatique. C'est une crise sanitaire, économique, sociale. Peut-être je m'aventurerai même à dire religieuse, parce qu'elle remet certaines choses en débat, parce que c'est la première fois que des hommes et des femmes sont confinés, qui portent des interrogations sur beaucoup de choses. Et c'est une crise inédite et qui appelle le monde entier à trouver des scénarios de riposte, ou du moins des moyens de sortie de crise. Mais est-ce qu'on peut considérer que le Covid-19 a fortement désorganisé les activités économiques à tous les niveaux, à commencer par le commerce extérieur dans les deux sens, importation et exportation, puisque déjà l'OMC situe les pertes aux environs de 15 voire 40%. Il y a un indice qui a été élaboré dernièrement par le FMI. Donc le PIB déjà, et il est donc pressenti une baisse du PIB au niveau mondial de 8%, ce qui est énorme. Quand on voit la première puissance, là c'est plutôt la septième puissance économique du monde qui a déjà une récession de l'ordre de 6%, et ça pose beaucoup d'interrogations. Il est clair que l'économie mondiale est impactée très lourdement, et le plus dur, le plus grave, c'est qu'il n'y a pas une prévisibilité sur la sortie. C'est-à-dire que cette pandémie, on sait comment que ça commence, on ne sait pas, donc ce n'est pas une vérité absolue, que ce soit pour tous les pays, c'est pareil. Le cas de la Chine, c'est un cas, mais ce qu'on constate en face de nous, notamment l'Europe du Sud, et la prévision de sortie de crise n'est pas établie. Donc on parle même d'une rechute éventuelle. C'est-à-dire que personne, toutes les institutions économiques du monde hésitent à se prononcer sur une prévisibilité des indices. Mais est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, si il y a reprise, selon l'OMC, toujours l'Organisation Mondiale du Commerce, ce ne sera pas avant 2021, voire 2022. Est-ce que ce sera l'occasion aujourd'hui de repenser toutes les dispositions existantes en matière de commerce extérieur, à commencer par l'Algérie, mais avant d'aborder l'Algérie, parler un peu de ce qui se fait au niveau mondial par rapport à ces échanges, l'ouverture des frontières, c'est-à-dire il n'y a plus de barrières pour le déplacement des marchandises. Maintenant, les pays se confinent. Est-ce que ça va être une autre vision qui va se dessiner? Et c'est certainement qu'il y a une vision qui se dessine. La vision qui se dessine, c'est d'abord, on parle de plus en plus souvent de souveraineté économique. On a vu que le monde et certains pays étaient absolument pris de court par cette pandémie. Ils n'avaient même pas les moyens de se défendre de manière sanitaire. Donc, il y a actuellement une pensée qui se dessine qui consiste en une révision de la localisation de certaines filières et certains secteurs dits stratégiques. Donc ça, je pourrais citer par exemple le cas de la pénurie des masques qu'il y a eu en Europe. C'était dramatique, on a parlé de respirateurs, on a parlé de beaucoup de choses. Et là, on est en train de constater que on est en train de revoir, on a constaté dans cette crise aussi que la Chine et un degré moindre l'Inde étaient détenteurs, c'est des pays qui étaient détenteurs de certains produits, notamment pharmaceutiques et certains principes actifs.
quand on sait que le Doliprane, c'est le principal actif, c'est chinois, un degré moins de CNN, on s'est trouvé donc complètement donc désarmé vis-à-vis de cette situation. Et il y a une révision donc de la localisation, de la relocalisation vers certains pays, notamment européens. Alors on parle de repositionnement de certains pays sur le plan géopolitique, repositionnement certains pays par rapport au commerce extérieur, d'autres se distinguent par rapport à d'autres. L'Union européenne qui va s'effacer au profit de la Chine, au profit de l'Inde, au profit de la Corée, au profit de la Russie. Mais absolument. Ce qu'on peut constater aussi, c'est la réactivité donc, de la Chine dans ce domaine-là. La Chine, qui est la deuxième puissance mondiale, donc, et qui est le pays le plus riche, il faut le souligner donc, au niveau du monde, c'est que la Chine a su donc, se retourner très vite, a dépassé un peu cette crise, si on peut dire, et a redémarré. C'est-à-dire que son outil de production commence à redémarrer. Et ça, c'est un bon signe parce qu'on voit que ce qui s'est passé en Chine, bien sûr, ça a impacté, et ça nous a impacté donc, au premier degré. C'est à travers donc, le prix du baril de pétrole. L'Inde qui est fortement sollicitée en ce moment pour la matière première, pour la fabrication de médicaments, elle est même en train de rejeter certaines demandes qui sont très importantes. Mais jamais le monde n'aurait pensé, on n'aurait donc fait donc, des scénarios de cette façon-là. Ça bouleverse totalement donc, certaines données, notamment dans le cadre aussi de l'investissement. Je pense qu'il y a une chance aussi pour certains pays de voir un peu comment se repositionner à ce sujet. Alors aujourd'hui, par exemple, par rapport à ce repositionnement, les États sont en train de mettre en place des stratégies pour éviter un choc économique par rapport à leur situation des entreprises qui sont dans la plupart fermées en raison du confinement et en raison du Covid-19. Il a bien sûr engendré des pertes jamais subies auparavant, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par rapport à ces positionnements, est-ce que l'Algérie devrait se préparer déjà sur la question du commerce extérieur pour l'après Covid-19. Absolument. Quand il y a une crise, il y a des menaces et aussi des opportunités. Je pense qu'actuellement, le repositionnement et la situation donc, chinoise en tant qu'atelier du monde posent certaines interrogations à certains pays. Et je pense que dans ce cadre-là, l'Algérie a un atout à faire jouer, donc sa proximité européenne, et aussi donc, son potentiel humain. Certainement, ce qu'il faudrait travailler, c'est justement comment attirer les investissements directs étrangers, comment attirer justement, là je parle donc notamment dans le domaine pharmaceutique, parce que nous avons un nouveau ministère de l'industrie pharmaceutique, comment donc, parce que je vous ai dit qu'il y a un repositionnement concernant certains principes actifs qui sont faits en Chine et au niveau de l'Inde, pourquoi ne pas les repositionner donc en Algérie, parce qu'il est clair que les pays européens, compte tenu du prix de si je peux dire, les prédits chinois ne seront pas aussi facilement tentés, ces grandes entreprises, à s'implanter dans un pays européen où la valeur, donc le coût du produit devient un peu prohibitif. Mais est-ce que vous dites, durant la crise, il y a menaces et opportunités, comment saisir ces opportunités? Est-ce qu'il va falloir, sur le plan géopolitique, repositionner nos intérêts en fonction des pays qui pourraient à l'avenir émerger? La Chine, plus de rapprochement avec la Chine que l'Europe, puisque l'Europe, certains disent que c'est le continent qui va subir le plus de pertes. Absolument. Moi, je pense que c'est le moment de faire des choix stratégiques. Des choix stratégiques dans quel sens? C'est-à-dire que la Chine a montré sa puissance au niveau donc, de l'économie mondiale, et la Chine serait certainement donc, peut-être à la recherche de pays. Je pense que nous sommes un pays, donc c'est pas que je pense, c'est une réalité que c'est un pays ami de longue date, et nous devons en quelque sorte vendre un peu l'image de l'Algérie et surtout donc, l'attractivité de notre pays, sa proximité, ses accords avec l'Union européenne, pour amener donc les Chinois à recoloniser donc des filières en Algérie. Je pense que la carte chinoise, pour nous, c'est une opportunité. La Chine a démontré que c'est une puissance, elle représente donc un point très important dans l'économie mondiale, et elle va prendre certainement des mesures concernant cette conscience que les Européens, et cette crainte des Européens, ce que la Chine détient
des produits éminemment stratégiques. Elle voudrait donc peut-être voir un peu quelle est la position de la Chine sur un investissement conséquent et massif en Algérie. Alors, encourager l'émergence de certaines filières pour les encourager à aller vers les marchés extérieurs. Quelles filières aujourd'hui stratégiques, hormis bien sûr les hydrocarbures ou dérivés d'hydrocarbures, Monsieur Ali Bey Nasri? Dérivés des hydrocarbures, moi je pense que le ministre de l'Énergie était ici hier. On a trop tardé sur avant-hier. Ce point-là. Avant-hier, on a trop tardé sur la transformation et personnellement, je me réjouis parce que c'est souvent attiré l'attention sur des produits phares qu'on exportait. On exportait donc des matières primaires, du gaz et du pétrole, et qu'on achetait donc les produits transformés à des coûts prohibitifs. C'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait revoir même la stratégie d'accès sectoriel, c'est-à-dire il faut éviter donc les investissements massifs qui coûtent beaucoup d'argent et sur des éventuellement des marchés étrangers incertains. Je pense qu'il faut aller un peu plus vers des industries plus légères, plus maîtrisables, et donner la chance au secteur privé à s'investir dans ce domaine, notamment de la pétrochimie et la transformation phosphatière, et surtout, un secteur qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est le secteur des mines. L'Algérie détient des richesses considérables en matière de mines, et selon certains experts, les recettes en devises qui peuvent être générées à travers les ressources minières peuvent égaler les recettes pétrolières. Ça, c'est je parle un peu sur le contrôle d'un géologue très très connu chez nous. Et nous avons des métaux rares, nous avons du manganèse, nous avons du vanadium, nous avons des richesses. On s'est jamais intéressé. Moi, je pense que c'est le moment d'aller faire une évaluation de ces gisements et de voir comment, justement, peut-être avec les Chinois, comment investir dans ce domaine. Hormis, bien sûr, les dérivés d'hydrocarbures, les autres filières, M. Ali Bey Nasri, l'agriculture, un fort potentiel dans ce domaine-là. Mais absolument, nous sommes très peu, très 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 peu, disons par rapport à la moyenne internationale, nous sommes très très peu transformateurs des produits agricoles. À part 3 ou 4 produits, tout le reste n'est pas fait. Nous savons que nous avons des excédents, nous savons que nous avons des écarts de tri, nous savons que l'agriculture algérienne peut beaucoup donner, et cette transformation, soit que ce soit au niveau local, soit dans une projection d'exportation, nous avons ici un créneau extrêmement intéressant, extrêmement porteur de recettes en devises. C'est maintenant qu'il faut régler tous ces problèmes logistiques dont on a souvent parlé pour permettre à l'Algérie de se repositionner sur les marchés mondiaux, régler le problème par exemple de l'accompagnement des entreprises vers l'international sur le plan financier, sur le plan logistique. Oui. Renforcer aussi nos liaisons aériennes et maritimes. Mais absolument, ça c'est l'opérationnel, mais je reviens toujours sur l'aspect stratégique. Il y a une SNE qui n'existe, une stratégie nationale des exportations. Je pense que c'est le moment, on a peut-être un peu trop tardé pour la mettre en œuvre. Je sais que c'est pas facile pour un gouvernement qui a 3 mois d'existence, et je sais trop bien quelle est la charge du Premier ministre. Moi personnellement, j'aimerais pas être à sa place, parce que tellement le challenge est énorme. Tout arrive d'un seul coup. C'est très difficile de répondre à toutes les questions posées, toute la problématique. C'est vraiment un travail très 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 laborieux qui use beaucoup d'énergie. Fixer les priorités, l'exportation parmi les priorités. Mais c'est la priorité des priorités, parce que nous allons vers une baisse continue de nos recettes en devises. Des hydrocarbures, il faut trouver l'alternative. L'alternative, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est là? Elle peut venir de deux façons. Soit à travers ce qui existe chez nous en termes de potentialité, soit aller chercher ce qui existe comme créneau, potentiel sur l'exportation des investissements directs étrangers. Comment attirer des grandes entreprises à l'international de venir investir, et que l'Algérie soit une plateforme d'exportation. Je pense qu'il faut aller dans ce stade-là.
Alors, Monsieur Ali Bayemassri, moi, je voudrais revenir sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité. On a parlé, bien sûr, du commerce extérieur à tous les niveaux, au niveau mondial, qui va être fortement impacté par le Covid-19. Selon l'OMC, les pertes se situeraient entre 13, voire 32 ou 35% à l'échelle mondiale. Pour l'exercice 2020, il ne pourrait y avoir éventuellement un début de reprise qu'à partir de 2021, voire 2022. L'Algérie pourrait profiter de cette opportunité pour se repositionner sur les marchés internationaux. Il ne peut y avoir d'exportation en Algérie sans les IDE. Il faut suivre l'exemple de certains pays, par exemple, qui ont réussi dans ce domaine-là. Si on cite quelques-uns, et on les connaît tous, le Vietnam, la Chine, la Turquie, la Tunisie. Il faut faire comme eux. Absolument. Absolument. C'est des exemples, à suivre. C'est des exemples à prendre en considération. Il est clair que c'est des pays qui sont développés, je prends donc le cas du Vietnam ou du premier pays, donc de la Chine. En Chine, c'est la première usine mondiale. Oui, 40% donc des exportations sont réalisées par des entreprises 100% étrangères. 20% sont des entreprises mixtes, c'est-à-dire des entreprises donc entre des étrangers. Donc près de 60% sur les 2400 milliards, 60% sont réalisés. Il faut comprendre une chose, il faut attirer l'investissement direct étranger. Je pense que le Premier ministre a parlé justement de ce point de vue-là sur la réglementation, donc, c'est-à-dire l'abolition de la loi enfin sur le 51-49. La règle des 51-49. On attend justement la mise en place, c'est-à-dire la définition des secteurs stratégiques. Donc c'est une définition pour moi, c'est-à-dire un peu aléatoire. De façon primaire, je dirais tout ce qui est sol, un peu sous-sol, peut-être considéré comme stratégique. Mais on a vu dernièrement que les masques sont devenus un secteur stratégique. Vous savez, donc cette notion de stratégique est tout à fait relative. Mais c'est ce qu'on doit, donc, nous, attirer. Comment attirer, justement, ces IDE? Ces IDE ne peuvent être attirés que par l'amélioration, justement, du climat des affaires en Algérie. Ce climat des affaires passe par une relation de confiance entre les autorités du pays et le monde économique. Ça, c'est très important. Il faut que, et je me réjouis très fortement sur justement la concertation entre le monde patronal, c'est-à-dire les acteurs de l'économie, le monde économique et le gouvernement. Je pense que c'est ce qui nous manque le plus, c'est cette justement gouvernance participative ou collaborative. Il ne faut plus rester fermé sur soi-même, confiné comme le monde l'est actuellement. S'ouvrir sur le monde, c'est un impératif pour pouvoir un peu investir dans les marchés internationaux en révisant bien sûr la législation, c'est-à-dire et la bureaucratie qui aujourd'hui est considérée comme étant un frein à la fois à l'économie interne et externe. Mais absolument. Il faut pas croire aussi que donc supprimer la règle des 51-49, que les entreprises vont venir vers nous. Il faut absolument améliorer bien sûr le cadre global, mais aussi améliorer donc tout ce qui va avec en Algérie, notamment la bureaucratie, notamment beaucoup de choses, la corruption et tout. Mais dans le contexte actuel, avec la crise que pourrait connaître éventuellement l'Europe, selon les pronostics des experts internationaux, est-ce que l'Algérie pourrait devenir une destination de délocalisation des investissements étrangers? C'est maintenant qu'il faut se positionner, ne pas laisser les autres prendre le devant. Le Maroc, la Tunisie commencent à se positionner. Mais absolument. C'est une bataille économique. Ça appartient qu'à nous. C'est le compter sur soi. L'Algérie, partir du principe que l'Algérie a des capacités, a des atouts à faire valoir, ces atouts, qui va les faire valoir? L'Algérie avec une vision nouvelle aussi. Mais bien sûr, on compte sur cette rupture. On compte sur cette rupture justement pour avancer. Il est clair qu'il ne peut pas y avoir donc d'investissement direct étranger s'il n'y a pas un climat de confiance, s'il n'y a pas donc une bonne, c'est-à-dire le moins de bureaucratie, s'il n'y a pas donc... moins, s'il y a aussi moins d'autorisation, si la réglementation d'échange est conforme. Donc, il faut revisiter tous les textes qui ont impacté négativement l'Algérie. Et surtout, donc, je reviens au climat de confiance, donc, et surtout, donc, ce qui concerne donc, la gouvernance, et cette gouvernance-là, elle doit donc être de confiance. La confiance entre les gouvernants et les gouvernés doit être impérative. Comment, là, cette passerelle-là, ça appartient justement au gouvernement à la mettre en place. Et je pense que c'est un premier pas. Cette concertation ne doit pas être une concertation
c'est-à-dire à une fenêtre ou à une seule séance. Il faut avoir un dialogue ininterrompu, constant, entre justement le monde économique et le monde politique. Alors, gouvernance de dialogue et de concertation de façon permanente, c'est votre volonté aujourd'hui et votre souhait, M. Ali Baye Nasri. Est-ce qu'il va falloir, le Premier ministre a lancé hier la perche pour lancer des débats avec les partenaires sociaux à tous les niveaux pour essayer un peu d'évaluer l'impact de cette crise sanitaire sur notre économie, sur certaines filières, considérées également à la fois aussi stratégiques à tous les niveaux. L'évaluation va être engagée pour avoir bien sûr un retour d'ici le 23 du mois en cours. Est-ce qu'on peut considérer que aussi l'exportation et l'importation, le commerce extérieur, doit bénéficier d'un focus particulier? Mais absolument. Je pense que le président de la République, quand il a parlé d'une réduction de 10 milliards de dollars des importations, est-ce qu'il avait donc une liste de produits à diminuer ou sur quel levier donc agir? Est-ce qu'il avait ou n'avait pas? Comment le faire? Avec qui le faire? Et quel impact ça a? Parce que diminuer de 10 milliards de dollars, il faut voir sur quelle rubrique. Est-ce que c'est les biens d'équipement? Est-ce que c'est les demi-produits? Est-ce que c'est les produits industriels? Il y a un arbitrage à faire. Cet arbitrage ne doit pas être fait uniquement par l'État. Et on doit absolument comprendre maintenant et je pense que la rupture doit être à ce niveau-là. La rupture doit être sur l'administration qui parle avec elle-même. Il faut que ça soit révolu. La façon de fonctionner de l'administration dans toutes les décisions qui existent jusqu'à l'heure actuelle doit absolument changer. Elle doit changer en s'ouvrant au monde économique, en mettant en place des passerelles, en mettant en place un climat de confiance, en s'écoutant. Parce que l'administration... Elle ne connaît pas parfaitement le monde économique. Moi, je pense que c'est une voie à suivre. Et... Les verrous à lever pour l'exportation, M. Ali Baye Nasri, rapidement, pour qu'on aborde les questions des auditeurs. Alors, les verrous à l'exportation existent et sont nombreux. Tout le monde a... Nous avons un créneau donc, qui s'est développé très vite, c'est l'exportation des services. Malheureusement, on est à ce niveau-là. La réglementation d'échange, à ce jour, n'a pas avancé, n'a pas bougé. Je suis un peu déçu parce que j'ai eu donc un entretien avec le gouverneur de la Banque d'Algérie qui m'avait promis que ce soit incessamment des mesures seraient prises dans le cadre de l'allègement donc des contraintes de la réglementation d'échange. Mais malheureusement, dans notre pays, on n'avance pas très rapidement et c'est le temps qui nous est compté. Le temps actuellement joue fortement contre nous. Soit on agit maintenant, soit on est absolument dépassé. Si on ne prend pas un marché aujourd'hui, on est dépassé demain. Les services, c'est un créneau libérant. Mettons en place une réglementation qui gère les services d'une manière tout à fait différente. Que ce soit, on ne demande qu'une chose, qu'on nous donne les mêmes conditions que les autres pays. C'est tout. Il n'est pas normal qu'un pays voisin exporte des services, 8 milliards de dollars de services, alors que nous n'exportons rien à ce niveau-là. Et les jeunes qui actuellement font des exportations de services ont des comptes en offshore. C'est inadmissible. Et jusqu'à quand? Ça fait près de 2 mois que j'ai eu cet entretien, on ne voit rien venir. Et on n'avance pas. Quand on saisit n'importe quel ministre, on n'a pratiquement pas de réponse. Alors l'acte d'exportation est un acte économique et non un acte administratif. L'administration doit se mettre en retrait pour laisser les opérateurs accomplir cet acte d'exportation, bien sûr avec une législation pour faciliter et accompagner. Mais absolument, absolument. On n'a pas, malheureusement... On ne prend pas les choses comme elles doivent être. Les pays actuellement réagissent très vite. On a eu le cas de l'exportation du ciment à l'Algérie. L'Algérie a commencé à avoir sa place au niveau de l'exportation du ciment, notamment du clinker. On aurait souhaité que ce soit le ciment fini, mais en tout cas c'est du clinker qu'on exporte vers les pays africains. Un pays, je ne citerai pas, l'État a décidé carrément de diminuer le prix. On l'exportait à 31-30 dollars la tonne. Ce pays-là, qui est donc à la concurrencer, a donné pas une instruction, mais a donné de l'argent et a aidé ses entreprises pour ne pas perdre les marchés, à le vendre à 27 dollars et de prendre la différence. C'est ça la réactivité. Nous sommes dans un monde, il n'y a pas de rivaux, il n'y a pas de pays amis. Comme disait un principe anglais, il n'y a que l'intérêt qui est pas malin. Donc, ce qui nous lie avec les autres pays, c'est cet intérêt-là. Il faut que le comprendre. Nous, malheureusement, on laisse faire.
on laisse les entreprises, elles écrivent, elles n'écrivent pas, il n'y a pas, le droit de réponse n'existe pas chez nous. Alors, question de l'auditeur, Monsieur Ali Bey Nasri, certains disent aujourd'hui, la priorité, certes, on est d'accord sur ce principe, c'est le règlement de cette crise sanitaire qui risque d'affecter fortement notre population et également notre économie parallèlement. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'exportation quand on ne produit pas beaucoup? Selon des chiffres, on n'a pas des estimations réelles sur certaines filières qui sont parfois même excédentaire. Monsieur Ali Bey Nasri. Oui, mais on parle toujours de l'opérationnel. On n'exporte pas beaucoup. Pourquoi on n'exporte pas beaucoup? Et il y a une raison à ça. C'est qu'il y avait un marché rémunérateur, les entreprises n'étaient pas intéressées par l'export. Il y avait aussi un cadre qui était pénalisant et qui était peut-être pénal. Et pourquoi voulez-vous qu'une entreprise aille vers l'exportation quand elle a tout à gagner sur le marché national? Un, deux, l'État ne l'encourageait pas. Ces deux facteurs-là ont fait que l'Algérie n'est pas un pays exportateur. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire l'assiette actuellement des exportateurs est à près de 1300. Donc, on voit, si on prend certaines filières, elles se sont développées très fortement. Mais en tout état de cause, on ne peut pas parler de produits. Il faut avoir une stratégie à l'exportation. Cette stratégie, elle existe. Il y a un groupe qui a été installé, malheureusement avec cette pandémie, on a mis peut-être un petit bémol, mais en tout cas, on doit aller vers l'application de ces stratégies, notamment dans ces fonctions transversales qui entravent ce qui existe. Maintenant, l'exportation, ce n'est pas à partir de ce qui existe, mais de ce qui peut venir. Il faut un peu oublier donc cette exportation des produits primaires. Il faut aller s'insérer dans des nouvelles filières novatrices pour justement amener, pourquoi pas, des entreprises. Je citerai toujours le cas de la pharmacie où il y a une industrie pharmaceutique qui a été mise en place. Pourquoi pas? Je ne peux pas parler d'une grande entreprise pharmaceutique française. On importe 36% du marché français en produits pharmaceutiques. Pourquoi ces entreprises-là, on ne les intéresse pas pour venir investir en Algérie et de ne pas se contenter de ce qui existait par le passé? Alors la crise peut être aussi une opportunité pour certaines filières. Dans le domaine des services, avec les start-up, les jeunes sont en train de faire des choses extraordinaires. Est-ce que dans ce domaine-là, on pourrait aussi apporter des prestations vers l'international, M. Ali Bey Nasri? Mais absolument, ça se fait. Donc ça s'est fait. Ils ont contourné les blocages bureaucratiques. Ça s'est fait envers et contre. Ça s'est fait envers et contre l'État. Parce que il y a de l'innovation, il y a des applications qui sont. Il y a même de la formation qui se fait en ligne. Il y a beaucoup de choses qui se font qu'on connaît. Au niveau de l'association, je suis sollicité donc par certaines startups, justement dans le cadre de l'exportation. Mais je leur dis, l'exportation, d'un point de vue réglementation des choses, n'est pas prise en charge. On considère les biens et les services sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que vous devez avoir une facture domiciliée, que vous devez avoir un BN, ou un, c'est-à-dire une LTA, et vous devez avoir un document douanier. Comment voulez-vous donc une exportation de services qui passe par les douanes? Donc, c'est ça qu'il faut casser. Il faut que ça ne demande rien du tout. Ça demande un règlement. Ce règlement peut être fait par le Conseil de monnaie de crédit. Alors, concrètement, que faut-il faire? C'est la question de l'auditeur. On a certaines filières excédentaires. Elles sont interdites à l'exportation. Que faut-il, Monsieur Ali Bey Nasri? Est-ce qu'il faudrait des gens spécialisés dans le commerce extérieur pour mettre en place un véritable tableau qui permet de savoir ce qu'il y a lieu de faire avec les productions et les excédents pour pouvoir les placer sur les marchés internationaux? Un tableau de bord, je voulais parler. Oui, donc... On s'est rejoint une chose, c'est-à-dire le ministère du commerce extérieur existe. Ça, c'est une opportunité, c'est une nécessité. Il y avait absolument donc une absence donc, de leadership à ce niveau-là. Je pense que le ministre du commerce extérieur, c'est son rôle. Il est en train donc de mettre en place donc ses équipes. Il est en train donc de s'approprier un peu la stratégie. Et je pense que c'est une opportunité et je suis très très optimiste à ce niveau-là. La liste négative à l'exportation? La liste négative, on revient toujours à l'administration qui part avec elle-même. C'est absolument nécessaire de ce qu'on appelle la gouvernance collaborative ou participative. On décide donc d'arrêter 1219 produits en exportation, je le dis. Et c'est avec peine que je le dis parce que je connais bien certaines personnes au niveau de ce comité-là. 1219, on ne les exporte pas. On ne les exporte pas du tout. Je ne vois pas pourquoi. On n'associe pas donc les personnes intéressées, concernées. Pourquoi on nous intéresse? Pourquoi on n'est pas concerné? Pourquoi on ne participe pas? On a des éclairages. Nous, on vous donne notre avis.
À vous de le retenir ou pas. Mais quand on trouve des aides de requins, quand on trouve du jambon, quand on trouve du papaye, quand on trouve du kiwi, est-ce qu'on les exporte? Quand est-ce qu'on les a exportés? C'était pour des produits d'importation. Donc on nous force à dire des choses qu'on n'aimerait pas dire. Parce que c'est pas normal qu'on arrête 1219 produits alors qu'on n'exporte pas 10%. On n'exporte pas plus de 100 produits. Alors il aurait fallu élaborer cette liste d'exportation avec les concernés, puisqu'on parle de concertation à tous les niveaux. Mais puisque dans cette liste négative qui est publique, qui est affichée sur le site des douanes, on retrouve les ailes de requin que nous produisons. Oui, il y a des choses, je ne voudrais pas... Mais j'ai parlé uniquement de quelques saisons particulières. Papaye aussi, on le produit pas. Mais comment, quels sont les critères qui ont abouti à ça? Pourquoi je suis contre l'interdiction. Je vous le dis, je suis contre l'interdiction de l'exportation des produits. Pourquoi? Dans quel but? Parce qu'on a des produits, il y a des produits où il y a trois acteurs. On ne pouvait pas les associer. Parce que ça obéit à quoi? Moi, il y a des secteurs qui sont en main des secteurs privés. On ne peut pas les associer, on ne peut pas leur dire, il y a trois. Est-ce que c'est les conséquences de ce que nous avons vécu par le passé, l'exportation ou le commerce extérieur qui est devenu un modèle de trafic de tout genre, notamment sur la question de la surfacturation qui a poussé un peu les pouvoirs publics à prendre ce type de disposition, monsieur Ali Benassi? La surfacturation, elle est très facile. Donc, elle est très facile, du moins, à la réduire, pas à l'éliminer. La surfacturation, elle existe depuis la nuit des temps. Elle n'était peut-être pas visible. En tout cas, elle est devenue visible parce que vous l'êtes halal, en quelque sorte. Mais il faut le faire. La surfacturation, il y a des moyens d'attaque. Il y a des moyens d'attaque. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, comment se fait-il qu'on voit de la pastèque tunisienne et marocaine dans les rayons des grandes surfaces en Europe et dans tous les pays mitoyens et pas la pastèque ni le melon algérien? Quoi répondre? Pourquoi? Il y a eu des tentatives d'exportation de pastèques et de melon, mais c'est très peu. Nous avons cette particularité de faire de la précocité, nous avons de l'arrière-saison. Malheureusement, on n'a pas mis en place toute la chaîne. La chaîne, c'est comment elle doit venir. Qu'est-ce que l'État doit faire? Il doit justement donner des terres, donner des plateformes, aider à fond perdu, si je peux dire, pour aller vers l'exportation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, le fret, c'est un handicap également? Rapidement, le fret, c'est un handicap, c'est clair. Le fret est aux mains de compagnies étrangères. 4 milliards de dollars annuellement. 4 milliards de dollars. Et bien, je vous dirai une chose, puisqu'on parle de ça. Il y a certaines compagnies qui ont des milliards de dinars actuellement, qui ne peuvent même pas utiliser, parce que c'est des comptes d'escale, ils ne peuvent pas donc les transférer, ils ne peuvent pas les utiliser en Algérie. Le résultat, c'est quoi? C'est des milliards de dinars, je vous le dis, officiellement, qui donnent dans les comptes bancaires, et qui ne demande qu'à être utilisé. Pourquoi on ne les prend pas? Nous sommes en situation de pénurie du dinar. Est-ce qu'il faut renégocier dans ce contexte tous nos accords à l'international, l'accord d'association avec l'Union Européenne, monsieur Ali Benassi, rapidement? Mais absolument. Mais maintenant, cette pandémie, cette pandémie, il y a une refondation. Donc, comme dit la Khor, c'est ce qu'il faut dire, c'est comme ça. Maintenant, tous les pays, et on a vu, l'État, certains États nationalisent actuellement la nationalisation, c'était avant, pas maintenant. Mais maintenant, il n'y a plus de tabou. Maintenant, il y a l'intérêt. Nous sommes dans une situation très difficile. Nous avons donc une perte de recettes en dinars et une perte de recettes en devises. C'est à nous de trouver les solutions, qu'elles soient dures ou pas. Alors, autre question de l'auditeur et la dernière. Le dumping à l'export est aussi une solution, monsieur Ali Benassri? Le dumping, oui, pourquoi pas, ça existe. Peut-être que nous ne sommes pas dans l'OMC, donc nous sommes en droit de chercher de la vie. La Turquie le font bien. Mais absolument, nous sommes en droit. Ce que nous ne devons pas faire, c'est de perdre un dollar. Nous avons actuellement, nous perdons des dollars. Il faut gagner le dollar. Actuellement, je vous le dis, avec ces mesures d'interdiction à l'export, nous perdons des dollars. Et c'est malheureux de le dire. Dans une situation où nous avons besoin du moindre dollar. Il faut que quand il y a des décisions, il faut qu'elles soient intelligentes, il faut qu'elles soient économiques. Justement, les décisions ne répondent pas à une logique économique, c'est une logique administrative. Il faut qu'elles soient aussi concertées et discutées comme le préconise on se réjouit. Et le président de la République. Monsieur Ali Benassri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.